Les tigres, un chapiteau. Ça c'est solide, ouais. Les lions. Miaou. Le cirque électrique queue. Ah, le queue est tombé. Ouais, c'est un peu chelou quand même cet endroit. Qu'est-ce que... Ah ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de clown. Ah là, voilà. Salut, salut. Bienvenue dans ce cirque chelou. Après, je vais prendre la guitare si tu veux. Bah, carrément. Bah, ok. Ah ben, à côté des toilettes, c'est parfait pour une interview. C'est trop bien. Comment on doit présenter le style blanc? C'est un univers coloré et festif, pétillant. La guitare, on va dire, est un peu désaccordée volontairement. En fait, j'aime beaucoup le noise rock. C'est légèrement problématique parce que le noise rock, c'est quand même une scène de bon gros connard mascu. C'est quoi, c'est un costume de scène, ça? Soit éboueur, soit paysagiste, selon, selon l'interprétation. Mais la salopette, ça fait un peu warrior, quoi. Tu vois? Bah, c'est le but, hein. Dans la chanson Clean, tu parles d'agression sexuelle, notamment celle dont tu as été victime. C'est un thème qu'imprègne tes chansons. C'est chiant que ce soit si tabou parce que, en fait, c'est arrivé à tellement de meufs. Surtout dans des milieux comme ça, on va pas se cacher, hein, c'est pas du tout un havre de paix, le milieu musical, DIY. Il y a un postulat de départ qu'on est des rebelles. On fait n'importe quoi, on est invincible, il n'y a pas de conséquences. Et donc, non, c'est pire, je pense. C'est quoi un public parfait pour toi? Tu me donnes à boire, à manger, ils te donnent leur verre, tu bois dans leur verre. On m'a même donné des chips à manger pendant le set. Je trouve ça trop marrant. J'aime bien que les nanas ou minorités de genre se sentent bien, puissent venir devant. Le top du public parfait, c'est si j'ai pas un vieux mec qui vient me dire à la fin du concert qu'on n'entendait pas assez ma voix ou que j'ai pas assez chanté. Ouais, je vois le genre de personnage. Bon, du coup, se passe quoi après le concert? Moi, j'aurais bien fait la teuf, un peu. Bah ouais. Mais le truc, c'est que ça veut dire que je suis là dans 2 jours encore, quoi.